n'entre pas ici s'il n'est véritablement passionné, s'il n'est pas curieux et s'il n'aime pas s'informer de tout ce qui se passe autour de lui. Ah, travailler sur le web, je dirais qu'il n'y a rien de plus passionnant. Parce que vraiment passionnant. Parce que chaque jour, vous apprenez. C'est un domaine très évolutif. Les choses évoluent très vite. Donc, être toujours à l'affût de l'information. Déjà, la majorité des informations passent par là. Donc, vous êtes régulièrement informé. C'est un métier également qui est beaucoup plus... le partage est beaucoup plus développé dans ce domaine. Donc, simplement interagir avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde et qui font peut-être la même chose que vous, vous inspirer de ce qu'ils font, échanger, apprendre régulièrement, s'inspirer de ce que les gens font, comprendre, s'informer. C'est vraiment passionnant. J'aime les médias sociaux, j'aime Internet, j'aime naviguer, j'aime interagir avec les gens sur Internet. Mais initialement, ce n'était pas ma formation. C'est juste une passion que j'ai suivie. Et chaque jour, je découvre de nouvelles choses que j'aime bien. Bon, c'est un métier dans lequel il faut être dynamique, il faut être curieux. Il faut chaque fois se mettre au courant des nouvelles tendances. Parce que Internet, c'est un environnement qui évolue chaque jour. Donc, quand tu n'es pas à la page, tu laisses tomber beaucoup de choses. Tu te trouves dépassé par les informations, mais les tendances. Donc, il faut être chaque fois à l'écoute des nouvelles technologies, de tout ce qui sort nouvellement. Aurel est webmarketeur. Un webmarketeur, c'est une personne qui s'occupe du marketing sur Internet. Donc, on met en pratique chaque jour les techniques marketing, mais dans l'environnement Internet. Lorsqu'elle achevait sa formation en gestion des entreprises, plus précisément en gestion des ressources humaines, elle n'imaginait pas se retrouver un matin adepte de tout ce qui concerne le web. Ulrich tient le même langage. Son master en génie industriel est pour l'instant rangé dans ses tiroirs. Il est développeur. Bon, un développeur a juste besoin de savoir programmer pour devenir développeur. Donc, au fait, n'importe qui sait programmer peut devenir développeur. Par exemple, moi, j'ai une formation en génie industriel. J'ai un master en génie industriel, mais ce n'est pas ce qui m'a permis d'apprendre à programmer. Je l'ai appris tout seul, moi-même, en cherchant sur Internet. C'est quoi programmer? Donc, programmer, c'est juste dire à un ordinateur d'exécuter des tâches données. Au fait, tout le monde a besoin d'un développeur. D'abord, des entreprises, par exemple. Elles ont l'habitude d'effectuer des tâches, peut-être de façon manuelle. En tout cas, dans les entreprises, il y a par exemple des tâches répétitives. Donc, on peut écrire des programmes pour exécuter ces tâches répétitives à la place des êtres humains, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. À part ça, il y a les particuliers, par exemple, pour organiser sa journée, on peut utiliser des logiciels pour ça. Non seulement je suis développeur, mais à part la partie programmation, que ce soit ce qui est marketing, business, un peu de tout, tout ce qu'il faut pour gérer une entreprise dans le domaine de la technologie, j'ai aussi des compétences dans ce domaine. Au-delà de ces métiers, on retrouve aussi l'administrateur, le programmeur, l'animateur, le référenceur, le documentaliste, l'intégrateur, le webmestre, l'ergonome et le webdesigner. Une seule personne peut avoir les compétences pour répondre efficacement lorsqu'elle accumule à elle seule plusieurs de ces métiers. De même, sous d'autres cieux, une entreprise peut employer plusieurs catégories de stratégistes marketing digital. Le digital marketing, ce n'est qu'une extension du marketing classique sur le web, c'est-à-dire les différentes actions, les différentes stratégies du marketing, mais interposées au web. Donc, comment vendre un produit sur le web, par exemple, comment positionner une entreprise sur le web, c'est-à-dire positionner l'entreprise, l'image d'une entreprise sur le web également, comment vendre les services de l'entreprise, comment promouvoir l'image de marque de l'entreprise. Tout ce qu'on fait déjà avec le marketing classique, mais sur le web, avec ses spécificités, en respectant les codes et déontologiques du web. Un genre de publicité offensive avec à la base une séduction programmée et réussie. Dans le marketing classique, on vend un produit, c'est-à-dire on pousse le produit vers
le consommateur, c'est-à-dire l'acheteur, celui qui va acheter. Mais contrairement à la stratégie pour le marketing digital, on adopte beaucoup plus le inbound marketing, c'est-à-dire on attire plutôt le client vers le produit. Donc là, il ne s'agit plus directement de vendre un produit, mais il s'agit de positionner l'entreprise comme un expert dans le domaine du produit, fournir régulièrement des informations utiles aux internautes de façon à les intéresser, à les amener à chaque fois venir se ressourcer, venir avoir de l'information dans le domaine d'expertise de l'entreprise et subtilement commencer à leur vendre le produit. Le monde de l'Internet et les métiers du web sont aussi un domaine où sévit la concurrence. Et pour être à la hauteur des exigences, compétences et dynamisme ont droit de cité. Par exemple, il est important de comprendre le langage web, suggère le web designer. Si un web designer, c'est un front-end développeur, en fait, c'est celui qui s'occupe de l'architecture, l'apparence du site. C'est celui qui s'occupe de coder dans les langages comme du HTML5, le CSS. En fait, le HTML5, c'est pour la structure du site. Maintenant, avec du CSS3, il embellit le site. Donc, c'est ce que vous voyez qu'un web designer a fait. Donc, à part ça, il y a des langages comme du JavaScript pour rendre dynamique les formulaires, lors des soumissions, les petites restrictions. Par exemple, quand on vous demande de mettre votre email, quand vous mettez mal votre email ou vous mettez quelque chose, juste votre nom, vous soumettez le formulaire, ça refuse. Donc c'est le web designer qui s'occupe de tous ces différents détails. Tout ce qui est en fait en relation directe avec le visiteur. En français facile. Ok, en français facile, un web designer, c'est celui qui s'occupe de l'habillage d'un site web, d'une application web. Voilà. Internet est devenu aujourd'hui omniprésent dans le monde de l'entreprise notamment. Les institutions publiques, les entreprises privées, les particuliers, les marchands, tous ceux-là qui comptent réussir grâce aux technologies de l'information et de la communication, déboursent pour créer leur site, pour employer les services de ces jeunes qui n'attendent plus les concours et les avis de recrutement pour travailler.